Chaque année, les téléspectateurs des Grandes Gueules désignent une personnalité qui a, selon eux, marqué les derniers mois. L'émission d'actualité, diffusée en simultané à la radio et sur la chaîne RMC Story, évoque des sujets de société et organise des débats autour de ces thématiques, menant bien souvent à des coups de gueule de la part des éditorialistes voire des altercations entre eux. Chaque jour dans l'émission, une chronique est dédiée à la personnalité GG du jour, jugée grande gueule grâce à ses actions ou ses propos. Eh bien, le même prix existe à l'échelle annuelle. Là où le choix quotidien est habituellement fait par l'équipe rédactionnelle de l'émission, ce choix annuel revient aux fidèles du programme. Ce lundi 12 décembre, les présentateurs Alain Marchal et Olivier Truchot ont donc annoncé à qui ils accordaient le prix de la grande gueule de l'année 2022. Un seul nom étranger, un prix obtenu grâce au vote des téléspectateurs toute la semaine précédente sur le site de la station, comme l'a rappelé le journaliste Olivier Truchot. 10 personnalités étaient en lice pour gagner la première place cette année: le collectif écologiste Dernière Rénovation, le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, l'entraîneur Christophe Galtier, le député Louis Boyard, Rachida Dati, Michel Sardou, l'ancienne candidate à la présidentielle Sandrine Rousseau, Michel-Édouard Leclerc, l'actrice Annie Dupéret, et enfin le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Si sur le plateau, seul Charles Consigny avait choisi de désigner ce dernier comme personnalité grande gueule de l'année, si est finalement lui, le seul nom français de cette liste, qui a été choisi par les téléspectateurs. Un trophée pour celui qui incarne la résistance. Trophée à l'appui, Alain Marchal donc dévoilait le nom du dirigeant qui fait face à une guerre avec l'invasion de son pays par la Russie depuis bientôt 10 mois. Celui qui incarne la résistance face à l'envahisseur russe, a donc expliqué le présentateur de l'émission. L'année dernière, c'était Stéphane Bern qui avait remporté ce titre. À l'inverse de Volodymyr Zelensky qui cesse de démarquer pour ses propos et ses actions belligérantes, si est son engagement en faveur du patrimoine historique et architectural français qui avait valu à l'animateur de France Télévisions d'être récompensé par les téléspectateurs. À lire aussi Guerre en Ukraine, un journaliste français, envoyé spécial pour BFM TV, tué dans l'est du pays.